ne veulent pas que quelqu'un de l'autre puisse être dirigé par ceux de Sankourou. Mais ils oublient que ceux de Sankourou et de l'autre ont eu des enfants qui sont humiliés. Il faut commencer par une attitude de comportement qui vous permet d'accepter tout le monde. J'ai dit que la destinée, ce sont des événements qui sont définis de manière indépendante et irrévocable. Dieu a provoqué des accords au pied d'argile. Mais Dieu, quand il provoque des alliances au pied d'argile, c'est pour réaliser la destinée. Amen. Il permet à 2, 3, 4 personnes de se liguer. Mais si vous regardez ces 2, 3, 4 personnes qui se liguent, vous allez vous dire que ce sont des accords contre nature. Mmh. En réalité, politiquement parlant, ça ne peut pas se faire. Oui. Mais ça s'est fait parce que l'autorité suprême du destin est la finalité. Avec, à cette période-là, il faut que ça se fasse quoi? Comme ça. Une fois la mission est atteinte, ne poursuivez pas l'alliance. Ça va échouer. L'image politique, mais ben on a alliance au pied d'argile. L'argile est en matière de sakamakacité. Et que ça les mains, non pas parce que Batubasala a zamabé, mais parce que Dieu a profité de la circonstance pour préserver l'avenir Yamboka devant les sangs. Tu vois? Alors, dès que mission Zambé Kokisami, l'alliance on est a raison d'exister, tu peux remonter en haut dans les suites des temps, et qu'on panzana. Alors, moi, je suis en détail. Tu as une deuxième conférence au Tokosala qui va réunir maintenant 5000 personnes selon la vision qu'on avait. Tu as une conférence au Tokosala qui va réunir maintenant 5000 personnes selon la vision qu'on avait. Tu as une conférence au Tokosala. Tu as province. Tu as une province. Tu as une Europe. Tu as comme un précurseur. Tu as comme un homme meilleur. Mais comme c'est quelqu'un qui vient frayer le chemin parce que génération moko ezoya et le kinga na makasi o ko animer makambwana baye bake nkola sia bandi musala akuma na ngoti yo pe ozanga kati ya vision wana ya komona Congo ya sika. Alors tolobi na batu bo elelo que Congo ezana ba momi ba les otambula na biso ya li bosse za destin ya mbale za destiné destin na biso ezali que Congo ezana maloba moko nkola loba sirie eza ko s'identifier na 11e fils ya Joseph. Égypte na RDC bazo partager basse ya mayi. Maï n'a pas de salut qu'Egypte a sa vie. Alors, c'est pourquoi Mboka Egypte est en identification dans l'authenticité dans le Congo. Il y a un moment où on a tracé la carte d'Afrique, il y a un satellite. On a des pratiques qui ont été mises en trésor, on a été mises en RDC. Mais tant qu'on a été mises en RDC, on a été mises en trésor, on a été mises en Mboka. Et comme il y a un moment où on a été mises en Mboka, il y a un destiné à ce que il y a un événement Mboka et il y a un Congo. Et que ça, les maçons, les amis, l'alliance, c'est que ça, les mapes, les pantanes. Nous avons provoqué Biloko Wana parce que Azo Memabiso vers finalité Moko. Il y a un autre qui est Congo Moko, éducateur Moko au téléma. Moutoumoko Azalo Kola sage, mais Azalo Kola pasteur. Azalo Kola président, mais Azalo Kola éducateur. Azalo Kola mobilisateur, Azalo Kola Moutaïna la vision pour s'engager sur le peuple congolais. Moutouana Koya, mais tant que Wana les athées, il y a un autre qui est congolais, battant contre courant, battant la voisinité. Va transmettre un message il y a un été. Le lobby saute sur courage, il y a qu'on rappelle Yango pour que Batou Baye Bessiga te zokende. Donc, maman, mon poupoula, ton mon lobby Congo, Pélim, mon tokobangate, Congo, ça nous fragilité. Tu as la promesse, nous avons un peu. Donc, on a rendez-vous et Zoya, ton lobby n'a pas tout que tant mon côté très difficile de voir les sous. Congo, comme le goulam, ma sou, et ça nous a zo kumbangote. Et comme le goulam, moko, moko, oyo, Batou Baye Bate, ton zokende wapi. Mais à un moment où on a, nous avons un kubanda réveil, il y a un politicien, il y a un jeune. Au bandimé la cahier, bandimé la prophétie, n'a pas jeune serviteur de Dieu au bandimé la ganzam, bandimé la prophétie, bah côté le main pour nous préparer à venir maouane. On est au lobby que bah alliance et qu'on s'est traité dans le langage politique, mais bah ben on a alliance au pied, hein, au pied d'argile. Quoi présence n'a opé message nous y retenir? N'a qui n'a ma camomille balé, il camboua di bosso a prophétisé à Ponangaï. Tout ça la station, à côté n'a ébissingaï, au cause à la députée. Nzambe ya lingo sala abimisa batu ya sika na politique oyo bakokokisa destin na ye nazwa kango kaka bongo eliki apezaki pe tokoza badepute te mais tango nakomi depute nalandaka na bandi kolandaki bolenge nanga bamiso ya bafilme ba Nigeria nakala mwa affection mwe pana ye mais lelo na ye kitala moni le destin prophétique du Congo parce que nga na yebi destin ya Congo. Parce qu'on a eu qui natala, ceux qui passèrent, il y a solo pena ko kundule loko wana. Mais ndeko nanga ezate na flaté passer Roger Baka. Non. O ba yebinga na flataraté. Na yebi pe flatérité. Mais mbala liboso na mboka yi. Un passeur de Dieu. Alors bela kimbango avec précision.
mbala liboso un passeur alo bela kwatulendo mbala liboso na yoka passeur alo bela les prophéties liées au destin du Congo où il cite Kimbangu, les quatre messagers, les Mbumba Philippe. Et ça, ce sont des enseignements cachés. Mais il y a que Robimissa, on a Bible. Des enseignements ésotériques. C'est réservé aux initiés. Naza initié, super un homme ordinaire. Mais naka. Dans les jours à venir, Bokang Église. Je répète encore, dans les jours à venir, si nous-mêmes, nous ne nous retrouvons pas, j'en appelle, n'aboba mi benga ba père spirituel amboko, eri yangoyo, tout le monde a père spirituel à zote le maté. Bokang Église, gouvernement, tout le monde a église, tout le monde. Et où t'as pas Nzambe? Il y a des jours où nous allons passer des dimanches à la maison. Tout ça, cacao. Na ebi saka batu namboko. Bolo baga baka so batu bakoukouf. Baka souhaite batu bakoufa, baka souhaite kaka liwa. Je vous avais dit, il adviendra des temps. La pluie diluvienne de Koko à la Kinshasa. C'est pour manifester l'étonnement des cieux. Banzamba de Kem Nike Batwa Otin Olibanda. On va continuer à Mauricio Nababo Kondi. On va qui se côté. Bonjour Moussala. Deux ans de la Zambé Nancy Moulo, on va qui nous a coupé à Kobe. Tout en Europe. Voilà. Parce que trois jours, mon pépère, nous avons des bandes à Zati. Banzette Zokoya. Belgique et France, na Pekisa Kibino. Vous serez ruiné. J'ai dit aux Congolais, préparez-vous, vous allez quitter l'Europe. Mon peuple Zoya, et qu'on bête crise mon quoi finance, na Europe. Congolais, quand nous sommes en Bongo, on va mettre sous l'Europe. Osana, bonsoir, mon beau. Mais avant, pas ça, mon peuple n'est pas le cas, le Congo peut préparer pour qu'on là-bas. Mon peuple, mon Zoya. Namoni ba soda ba komi belé ba tondi mboka mobimba mais namoni bitumbango ebomi ba garso belé na yumbi yumbi za côté ni ba côté est ko noté na ebité bo luka mona géographie yumbi ba côté ba est je crois ba bomi ba garso belé mais na Kinshasa to la muki boy na kuti ba soda ba tondi mboka mobimba mais na ba parti moka ba population eza ba poche ya ba résistance à bitumba ba soda siko yo ba bamba na mabanga na ba population ba kondi ba perdre contrôle à ba soda. Je crois que c'est un événement. Maintenant, à l'issue de cela, hélicoptère, avion, mon coiso, mais mon condiment, je suis malin. Mais bon, là, ça m'a sapi. Bon, mon coiso, dans la catacophie. Mais la moni, mon coiso, va conduire la catacophie gouvernement. Il a gagné Bibi. Ni la semaine, mais c'est un talent, on est dans la salle. T'as la projet, ils ont beau. Pourquoi? Parce que les gens ont relevé la compétence en Zambie et Moko avec le rôle de la Bakolo dans le monde. Dans ce tour, on va appeler le monde. C'est la sagesse divine. Amen. Ça veut dire tout simplement ceci. Le peuple congolais dans l'Est a été faible. Tout le monde a été fait. Le monde a Kinshasa. Na kumu landa na TV. Ote, o koto bazo sarakal, o koto bazo kanate. Finalement, nous, l'église, à côté de la vérité, toza ba Esaïe 2. Biso toza ba juge des nations. Mboka oyo fo ba sentinelle la sikaba bima. Batu bazo lota bitumba na mboka. Ezanga mo kote. Baze belé, toze belé. Baze parvient na monde. Ba kozonga kawa. Kala minute diaspora ko tondawa. Na omo na jungu mokoko, ba avye koya tatrua. Ezo ki saka diaspora. Eki saka diaspora. Ezali. Et ça, nous sommes tous bien. Il y a un autre diaspora. Parce que, brusquement, mon peuple est en Europe et quand on a la sécheresse. Et qu'on a le pouvoir économique en Europe. Et qu'on a ça qui est Afrique. Quelle formation en Afrique? Principalement les Congolais. Parce que nous avons dit ça. RDC, nous avons un mouvement pour la ville. Avant 2023, et ça, la majeure. Et que ça, la majeure, et que ça, la majeure, et que ça, la majeure. Inondation ici. Guerre et zombies.
Congo se déconnecte malgré l'alternance. France de son côté a sorti Katé la Belgique pour être la tête et empêcher l'envol de la RDC, nation prophétique, où va influencer zone centrale mobile Afrique. États-Unis de son côté, Angleterre avant de nasi. Écoutez-moi très bien. Boutou Zoya, ton père et Zoya. Boutou pour les airs, ton bon abassou, basous. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Donc, année 2020, année de rétribution pour ceux qui marchent dans la parole exacte de l'Éternel. Il va les équilibrer. Il va les stabiliser. Année de la rétribution, année des récompenses, année des récompenses pour les saints. C'est pourquoi par le matin. Mais la nuit aussi vient. Année de jugement inévitable de l'Éternel contre ceux qui n'ont pas marché dans la saine doctrine. Parce que la prophétie, on va dire ça le coup tête. Donc c'est la 2026. Total a eu comme matin à 3e mois, il y a 2020. Total a eu comme à 6e mois, au comme à la 9e. Si ces oracles ne vont pas courir avec rapidité pour escompter les effets individuels, nationaux et internationaux. Voilà pourquoi, n'a profité de la Batoubouï. Oracle sur Douma, Esaïe 21, le verset 11. On m'écrit de la montagne de Séhir, sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. La nuit vient, mais le matin aussi vient. Si vous voulez interroger, interrogez, revenez, revenez, convertissez-vous, dit l'Éternel. Canaan tient en main des balances trompeuses. Canaan aime ses trésors, il aime à mourir. Même Ephraïm a dit, je me suis enrichi, j'ai amassé une fortune. Mais, oracle de l'Éternel, de tout ce bien que tient Canaan, et de tout ce bien que tient Ephraïm, rien ne lui restera, car il s'est rendu coupable d'iniquité. Namiko Lezoya, l'Éternel descend visiter les nations. Dans les jours qui viennent, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 à 13. La Bible déclare, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Naomo na balabal, basoda babimi, anteni, contrôle na bango, échappé na l'état. Nazomo na population basa na balabal, namiko lezoya, baso bete na mabanga baso bunda na population. Dans le riz de Kinshasa, la moni va botte, la tenue est prédominée dans la balabala. Quelque chose est à l'ibosso awa. Dites aux autorités politiques qu'ils n'échapperont pas. Dites à ceux qui ont fait des alliances, surtout Congolais appartenant à la nation prophétique. L'air de l'Éternel est descendu. Pour régler, surtout Congolais appartenant à la nation prophétique. Bobi Manabakisi, Zamba Kobeta Binomuloyo, n'a répété. Bobi manaba pratique occulte. Parce que nzamba ko beta ba musuba ko kufa, ba musuba ko sala crise, ba musuba ko bela ma maladie ya grave. Nous allons avaler les roues. Isma na Kinshasa. Nami ko lezo ya. Ba soda ba ko pakata mbango na ba civi. Mais na zomona tenir ce bene na balabala. À qui pourra entendre, entendre. À qui pourra intercéder, intercède. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Na wana na toye bisayo. Nazomona toitiri ya bâtiment nayo. Ezo kita. Je répète, ne comme tu la croix. Côté moko moulaï. Na limité. Zamba zola ki sa toitiri ya miri église nayo. Toi, ezo sa fessé. Ce que ça veut dire. Yo yebi. Kola passe le bel na bandoto. Ki alinga beta yo. Oracle de l'Éternel. Pasteur nyo sou bater la France. Et tel que va passer Nyonso en Belgique et surtout en Angleterre. Oracle de l'Éternel pour vous, vous qui êtes là, écoutez. La colère de l'Éternel ne se calmera pas.
jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté le dessein de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite de. Mais je pense que sur le plan national et sur le plan international, tu vas commis qu'on s'est repenti. Nous trompons comme le bain. Mais ma camboba quoi le baka? Tous au moment de voir la blague. Souka souka et coquissamaka. Que la gloire soit rendue au Père. Mais l'oracle finira par s'accomplir. Nalobi na basse ensemble. Repentez-vous en France. Repentez-vous en Belgique et en Angleterre. Sur tous les prédicateurs congolais et d'Afrique. Et je vous dirai les visions. Ils ont des comédiens. Depuis l'année passée, ils ont été dans le monde du théâtre. Il y a un monde politique et il y a un monde troublé. Tant que ça, il a liquidé. Et je vois un politicien majeur à la Linasé. Un homme politique majeur. À la dynastie. Maintenant qu'on parle, mais dis-moi, un prophète prédit et il prépare même l'enseignement encore pour se repentir. Quelqu'un va piquer une crise grave. Dieu dit qu'il y a un bête à la première fois, au coup, il y a un AVC, au côté de la coma profonde. Mais à cause de ça, il s'est là, il souffle. Pose à temps, c'est ma pardon. Soit autant au son, au sainteté, ça sera ton départ sur le cercueil. Dans le domaine, il y a un bête à la solo. Le Dieu de l'immortalité existe. Le Dieu de la débauche existe. Le symbole au merveilleux de la Xabiso, il y a Notre-Dame. Ce sont des divinités. Ce sont des représentations des orgies. Ce ne sont pas des choses qui ont été faites par hasard, Nancy. Zamba luxure Azali. Le Dieu de l'immortalité existe. Le Dieu de la luxure existe. Le Dieu de la débauche existe. Il y a un monsieur Batakiwana. Il y a un moment la France et vous allez moko en boka oyo. Magie qu'on s'est développé ma casse. Alors, colère et ensemble. N'a bête qui ne chute. Il y a un mois tombé Notre-Dame. Si qu'on va origine à Bango, va déplacer en moi parce que moi je tombe à mes athées. Mais bah, qu'on a un mot. Sujet que tous les Français ne comprennent pas. C'est ça la réaction du marasme et des complications socio-familiales aux Zoukoutan en France. Malgré. Je ne vais pas malgré. La nécessité. L'autorité qui protégeait la France vient de tomber. Alors, comme il est tombé, les manifestations seront publiques. Jusqu'à ce qu'on risque et péril. France à perdre puissance mondiale. Je te l'ai dit aujourd'hui. Tout ça, le 30 décembre 2019, la France risque de perdre son autorité et son pouvoir. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, réinstallation est mise au courant. Faut comprendre que tout ça décodé, la sentimentée, c'est toute une intelligence qui est venue de Dieu pour permettre au peuple de sortir des ténèbres pour aller vers la lune. Nazomona, pour la première fois. Soulèvement. Et puis j'annonce. Oracle de l'Éternel. Nous sommes le 16 mars. Dans les jours qui viennent, il y a des politiciens qui risquent de prendre la fuite. Si vous ne prenez pas garde dans la manière où vous êtes en train d'avancer. Je répète, il y a des autorités politiques qui risquent de prendre la fuite encadrées par des militaires. Dans les jours qui viennent, si et seulement si vous ne prenez pas conscience de ce qui se passe, que l'Éternel Dieu soit béni. Comment se pêtre lui-même? Comment va-t-il pêtre les autres? Okay. Donc, il faut faire attention. Ne nous vantons pas d'être évêque au Congo. Ne nous vantons pas d'être archevêque. Tu peux dire que tu es archevêque, tu es évêque. Mais est-ce que tu as retenu l'évangile que tu avais reçu toi-même? Toi-même, est-ce que tu l'as encore? Donc, si tu es dans le discours fabulique, tu n'es plus évêque. Si tu tombes dans la doctrine des démons, tu n'es plus évêque. Si tu abandonnes la saine doctrine pour te lancer dans l'évangile de la prospérité, tu n'es plus évêque. Si tu laisses la saine doctrine, tu commences à prêcher les gens la délivrance des familles. Tu n'es plus évêque. Évêque,
dérive du mot ancien. Quelqu'un qui a la maîtrise des Écritures. Un ancien des Écritures. Être ancien des Écritures n'est pas synonyme de l'âge. Mais c'est synonyme de la fréquentation avec les Écritures. Avec les Écritures. C'est pourquoi Samuel était encore jeune. Mais il a fait le véché au niveau de qui? Au niveau du sacrificateur souverain Élie. Jérémie était parti, il avait 18 ans. Mais comme il demeurait encore dans la présence de Dieu, et que la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte, il est devenu évêque des souverains sacrificateurs. Donc que les gens cessent de faire la confusion, nous leur disons que l'évêché, être évêque, il faut faire attention à soi-même, à l'évangile que tu as reçu, et aux brebis sur lesquels Dieu t'a établi pour le paître. Brebis qu'il a perdu, plutôt qu'il a gagné, au prix de son sang. C'est pourquoi là, cette mission entre dans le cadre de la commission particulière de Baka. Pas dans un cadre ministériel où certains, en me regardant à la télé, les autres voient un évangéliste. Quelqu'un qui gagne les âmes. Qui dépeuple les camps du diable pour peupler les camps de Dieu. Camps de Dieu. Ils disent, mais non, 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 nous sommes contre l'évangéliste. Mais pendant que toi, tu vois l'évangéliste Roger Baka dans le ministère, dans la poursuite de dépeupler les camps du diable pour peupler les camps de Dieu, il y a des autres qui voient les prophètes. Un homme qui entre dans le conseil secret de Dieu, il annonce des oracles qui ne sont pas permis aux hommes d'entendre et de comprendre pendant la saison. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que ce qu'il avait dit, voilà, c'est arrivé. Effectivement. Ça, c'est un autre. Ça, c'est, ce sont des dimensions ministérielles que Dieu nous amène. Mais maintenant, ici, là, nous sommes des sentinelles. En accord avec Ézéchiel 3, Ézéchiel 33. Nous voulons sonner de la trompette. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit va dire à l'Église. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois quand même nous allons ouvrir une petite brèche. Et tout à l'heure, on est en Kangango. Et je crois quand même les gens se sont un peu tourmentés. Il y a eu quand même pas mal de questions tout autour de votre état de santé. L'évangéliste, quels sont les dispositifs que vous avez pris par rapport à votre sécurité d'abord? Parce que c'est vrai, vous avez le temps de dénoncer, vous avez le temps d'apporter quand même l'ainsi dit l'Éternel. Mais du coup, tout autour de vous, il y a maintenant du tourbillon. Il y a des gens qui veulent à tout prix peut-être vous ôter la vie. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises? C'est très bien, c'est une très bonne question. Je profite de cette occasion pour te remercier pour ton soutien combien incommensurable par rapport aux attaques que nous recevons. Tu es toujours actuel, présent, pour pouvoir informer et alerter l'opinion. Tu sais, la Bible dit dans Ésaïe 54, le verset 11 au verset 17, « Je viens toujours poser les fondements. » Il est écrit dans la parole de l'Éternel, « Tu seras affermi par la justice divine. » Ça dit, moi, je ne compte pas sur la justice des hommes. On m'a envoyé un monsieur avec une arme. Je l'ai dit à la télévision. Il m'a dit, je vais te tuer, moi. Retiens mon visage. J'ai mené des enquêtes, tu sais que je ne l'ai jamais vu. Donc, je n'attends pas être affermi par la justice de ce monde. Parce que dans la justice de ce monde, justement, vous trouverez les gens qui sont dérangés par le fait que je dénonce publiquement la franc-maçonnerie. C'est un mouvement aujourd'hui qui a pris de l'ampleur et qui tend à maîtriser beaucoup de domaines politiques de notre pays. Donc c'est pourquoi Christ a dit, voici je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Donc je suis comme une brebis, mais je suis entouré de loups qui matin, midi, soir, ne cherchent qu'à me ôter la vie. Et la manière la plus efficace pour eux, si ce n'est pas le meurtre, c'est la justice. Il faut lui créer un problème. Soit disant qu'il a porté atteinte à la dignité de quelqu'un, mais lorsqu'il vérifie, ils ne trouvent pas de choses. Ils ont du mal à prendre Baka dans cette histoire-là. Et s'ils voient que ça ne passe pas, mon frère, ils t'envoient les filles. Mais tu ne sais pas éviter les gens. Parce que tu es un prédicateur. Les gens viennent. Il faut faire attention entre ce qu'on appelle la méfiance et ce que nous appelons la sécurité. Parce que si tu commences à te sécuriser tant, mais les filles qui viennent là, ils ont besoin de Dieu. Tu vas commencer à soupçonner. Or, l'amour ne soupçonne pas. Effectivement. Donc, il n'y a aucune précaution à prendre. Tu ne peux pas éviter les gens. Mais les gens qui viennent, l'empoisonnement est devenu mot de commune. Par la salutation, par les accolades. Donc, tout ça, comment tu vas faire? Tu vas plus saluer les gens. Quelle disposition tu vas prendre? Aujourd'hui, on est assis. C'est sur base de la confiance que j'ai pris mon micro. Je l'ai mis non loin du micro de Alain Dele.
Mais les gens disent, frère, aussi, on va aller se soutenir. On les a su dans mes missions, mais précaution, là, dans la zone de Sika, les années. Bah, tu as dit, non, pas sur le micro, en février, il y a l'année 2017. J'ai eu ces 6 mois de souffrance. Marc 16 et 17 s'est accompli, mais le corps avait souffert. Voilà pourquoi, aujourd'hui, s'il faut battre dans le bout de la bouteille, il faut ça il faut pas le remonter moko ba soda mo ngombe toke ba benga na téléphone keba 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 ba pesi ba soda mbongo pas pasteur moko afrique d'ici la c'est qui ça mutabika kate le type continue jusqu'à aujourd'hui. Ah ça jusqu'à aujourd'hui na ba pasteur alimenté ba sangani toko isabaka nini parce que moi non yo façon je me mabiso to moni que toke ne vers la chute. Si on les laisse vivants les gens diront qu'il avait raison surtout que moko ya ba Yabatu ba vandera na bango. Bazango sona bango bia ba combattre yé. Tant ba combattre yé a dénoncer bango, a fini bango pa baka. Je cite le général Sonny Kafuta Rockman. Qui dit baka bani ba bomayo. Qui dit baka banganga bazali na kata makamanzala. Baka muninga na ngawana aza kabbaliste. Yam tapesa ki kindoki na mwana wana uzomuna akufa. Alors tellement j'ai trop de secrets comme ça pour moi. Je n'étais pas parti pour entrer dans le combat au Bango Basali entre Bango. Non. Je suis venu avoir la confirmation que Dieu a permis dans na Matoi. Il y a tout n'importe qui t'es. Il y a Oazali le responsable du Haut Conseil des sages. Donc, ce qui est une église de réveil, c'est que tu as un peu de temps. 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 Je crois que vous vous rappelez un jour dans le Bakanayo. Nous, le pasteur Sonny Kafuta a fait mon copain à l'Oba. Je crois dans l'Oba Kalikamboa. Yango est commis. Donc, pour répondre à ta question, en bref, Esaïe 54, 12. Si l'on forme contre toi de complot, sache que cela ne vient pas de moi. Précaution, place ta foi en Dieu. Tout celui qui se lèvera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Place ta confiance à l'Éternel. Tout arme forgée contre toi sera nul et sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu as le pouvoir de les condamner. Place ta confiance en Jésus. Et maintenant, Paul, dans Actes des Apôtres 18, 9 à 10 à 11, l'Éternel apparut à Paul dans une vision et lui dit, ne crains rien. Parle. Je suis avec toi pour te protéger. Et personne ne lèvera sa main pour toi. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Il dit à Ézéchiel, ne le crains pas. Et Ézéchiel dit, Seigneur, endurcis mon front pour que je puisse résister à leur front. Donc, conclusion 2. En Corinthiens 14, 15. Par rapport à la question de Alain Dele, que ferais-je donc? Je prierai en esprit et je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai en esprit pour l'Éternel en me donnant de la taille spirituelle, mais je chanterai aussi à l'intelligence. Tout ce que tu peux faire, fournis un effort de maintenir le rythme de la vie de la sanctification. Ce qui n'est pas la panacée des hommes, c'est par l'aide de Dieu que nous pouvons tout. Mais plus tu soutiens la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, plus l'Éternel te donnera la force de dominer la dose de l'humanisme. Maintiens la vie de prière. Ne désire pas les choses matérielles. Ne te lance pas dans la conquête du monde. Laisse l'Éternel conquérir le monde. Maintiens ta vie dans l'anonymat. L'Éternel te fera apparaître dans le public. Donc nous avons un style de vie. Retire-toi de tout ce qui est spectacle. Méfie-toi des amis. Ne te lance pas dans l'exhibitionnisme. Reste concentré dans le travail. Tu as encore beaucoup d'années à sacrifier pour l'Éternel. Mais n'oublie pas, il prendra soin de ta vie. Donc voilà, et il m'a suscité des gens comme vous, il m'a suscité des gens comme les Ephrata, il m'a suscité des gens comme le prophète Henri,
et plusieurs autres personnes qui défendent la cause de cet évangile dans le monde que je ne connais pas. Il y a des femmes dans des foyers qui défendent ma cause. Il y a des hommes dans des pays étrangers qui parlent de moi, je ne connais pas, qui défendent cet évangile. Il y a même des hommes de Dieu. Ne croyez pas que tous sont dans les mauvais. Il y a de ceux qui disent, il dit la vérité. Et nous les soutenons et nous prions pour lui. Voilà la seule précaution que Dieu nous a donnée. Merci beaucoup, évangéliste. Je crois quand même nous allons toucher quelques points, ce qui concerne l'actualité. Hosanna. Les élections aux États-Unis. C'est vrai, déjà, Donald Trump qui est déjà au point de chute. Alors, homme de Dieu, au cas où Donald Trump échouait, quelles sont les conséquences de son échec? C'est le début de l'entrée en vigueur de l'image de la bête. Ah bon? La bête dont vous avez entendu dans Apocalypse chapitre 13, le verset 14. Vous avez entendu depuis longtemps, quand on grandissait, la bête. Oui, justement, la bête qui monte de la mer, elle va commencer son entrée en vigueur, en accord avec Apocalypse 13, le verset 14. Tel que complété aussi dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 14, ça commence à monter. En fait, que dit le verset? Et elle séduisit les habitants de la terre par des prodiges qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. En fait, nous allons tenter de scripter cette information à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, depuis un certain moment donné, un mouvement a pris place. Ça doit faire maintenant plus de 100 ans. Un mouvement a commencé à se développer sur la terre. Et beaucoup de gens étaient vraiment distraits à cause de la nourriture, à cause des vêtements, à cause des choses de ce monde. Ils n'ont pas prêté attention à cela. Et c'était la plus grande ignorance dans le monde chrétien. Ce mouvement qui a commencé, c'est un mouvement qui n'était pas très visible. Mais avec le temps qui court, les gens commencent à ouvrir les yeux et prêter attention à un... sensible au bruit extérieur. Car celui qui est élevé en dignité devient le leader. C'est quand il parle que les autres trouvent la matière. C'est quand il fait une émission que les autres trouvent ce quoi dire. Les autres n'ont rien à dire tant que tu n'as rien dit. C'est comme ça que tu verras sur Internet, tant que Roger Baka n'a pas produit une émission, il n'y a rien à dire. Il faut attendre qu'il parle, nous allons prendre ce qu'il dira, nous dirons. Donc, tu es devenu un leader. Or, puisqu'ils courent derrière toi, si tu prêtes attention à eux, tu te mets à les répondre, toi maintenant tu es en train de te rabaisser alors qu'elles sont en train de te faire monter par la promotion négative. Ça, c'est la deuxième réponse. Maintenant, il y a aussi des gens qui m'appellent aussi, si ce n'est pas moi qui est attristé. Ils m'appellent, ils me disent, mes frères Roger... Ils sont touchés par... ils sont touchés, mais il faut que j'agisse, il faut que je réponde. À ça, je vous donne des références bibliques. Ça veut dire quoi? Je suis en train de vous nettoyer le visage et vous présenter face au miroir de la parole. Mais si tu regardes cette parole et tu l'écoutes, tu auras des émotions qui seront tranquilles. Maintenant, en quoi consiste cette pratique, cette industrie? Je voudrais te montrer un fait. C'est quand même très important. Peut-être toi, tu vas le voir. Tout au long de cette année, Alain, tu vas leur mettre seulement les titres. Mettez seulement la vidéo et les titres. Premier point. Qu'est-ce qui est écrit? Ah. Léo Roger Baka Koufi, sa famille. Donc, quelqu'un se lève le matin, Roger Bakakou à Koufi. Je salue mon frère, le colonel Koumouimba, Jacques. C'est le premier qui m'appelle. Dis, mais mon frère, c'est toi? Moi, je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais réponds-moi comme tu as d'habitude. J'ai dit, oui, de la chevelure de la tête jusqu'à la place. Ah bien, Wanezayo. Mais Balobi au Koufi. Ah bien, non. Mais dis mon frère, il ne faut pas kanga batoyo, batoyo. Parce que pense à lui, ma kila, là, bon, non. Perte de temps. Ça, c'est la chaîne, je ne sais pas si c'est quelle chaîne, bon, ils ont la chaîne à YouTube. Le deuxième,
Affaire Sœur Angèle, Vango. Vango et Roger Baka. Hein, Georges Nama, s'interpose, mais sans succès. Mmh. Roger Asamboué. Mmh. Là, c'est une sœur. Mmh. Mais qu'est-ce qui se passe, Roger? Au Salibatouni, vous ne savez pas qu'il y a des industries de livrer et du mal. Laissez-les leur faire leur travail, n'est-ce pas? Que livrer et la bonne semence doivent croître ensemble. Ensemble. Comme si c'était fini. À vous qui demandez que je. À vous qui m'envoyez des vidéos et demandez que je réponde. Regardez, je vais passer tout mon temps à ne plus lire, à répondre à ces gens. Troisième. Caméra cachée. Bakangi Roger Bakandoki a invoqué en pleine émission. Misalama Bibi Mina Poisson. Ça, c'est Tiffany. Mm. Dans Naziréa, c'est Nazaréen. Mm. Maintenant, Tiffany Bakangi Roger Bakana Caméra ka. C'est ma photo que j'ai publiée sur mon statut. Mm. Photo que j'ai prise où? Au parking de même ligne. Mais parking à même ligne comme une loge. Donc, ce qu'est-ce que le bureau répondrait? C'est toi qui t'es réduit. Comment vous pouvez prendre des gens sérieux pour une seule personne? Je répondrai encore. Je répondrai sous bateau. Yo tanga ndeba finga kanga. Bakangi Roger Baka na hôtel. Les gens sont vite partis là-bas. Oh non, Bakangi Baka ndengenini. Comment allez-vous? On va faire quoi? Ici, Bakanga na hôtel. Maintenant, on attend ni Info Lingala, ni JTC, ni Journal de Lingala, ni émission au Congo ici ne parle de ça. Ah, c'est ça qui n'a pas ventir. Non, il fallait que moi je réponde. Perdons pas le temps. On passe. Bishop Baraka Mugisho, à vous, j'ai été au même loge avec Roger Baka. C'est un sataniste. Né à Finga, Roger Pou, Poukou. Église m'a répondu, Babi, Église m'a répondu, Roger Baka, Poukou, Poukou. Vraiment, ça nous prend du temps d'ailleurs. Non, parce on allait. Maintenant, pourquoi je. C'est là que les amis qui sont au monde. Les gens qui sont au monde, non. C'est là que j'ai pensé ça, Roger Baka. Après, non, dans un cimetière, on a confié Roger Baka Mutabomi. En fait, pourquoi ils font tout ça? Voici la réponse. On ne peut pas attaquer la mission, mais on attaquera le missionnaire. Le missionnaire, ok. Car le missionnaire porte en lui la mission. Si le missionnaire cherche à vivre par une bonne réputation en se justifiant, il détruira la mission qui a besoin de ces problèmes-là pour impacter son nom. Okay. En bien ou en mal, il y a des événements positifs et des événements négatifs qui attirent l'attention des gens sur mon message. Après qu'ils aient découvert mon message, ils s'accrochent et ils disent « Ah, j'ai commencé à te suivre récemment ». En fait, c'est à cause de ce qu'on avait fait là que j'avais dit. Oh, mais quel est cet homme qu'on insulte comme ça? C'est quand j'ai regardé que j'ai commencé à te suivre. Mais c'est un avantage pour le royaume de Dieu. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de moi. C'est comme ça qu'ils ont traité les apôtres et les prophètes. Ça, c'est, je comprends. Maintenant, si tu vas dans Jean. Regarde, Jean chapitre 9. Face au fait que Roger Baka commence à devenir une célébrité mondiale et internationale, le monde de ténèbres s'est dit, il faut essayer d'arrêter cette propagation. Mais Satan ne descendra pas sur la terre. Pour venir agir, il y aura des acolytes qui peuvent prétendre être des hommes de Dieu, qui peuvent prétendre être des journalistes. Mais si tu regardes bien ces journalistes-là, si tu regardes bien les entre guillemets pasteurs qui parlent, tu verras que les éléments qui devaient faire l'objet d'une émission selon les critères de sélection des éléments à traiter dans les journaux, à tiens, ôté. On a arrêté un pasteur ici avec un sextape. Il était en jugement. Ils n'ont pas vu ce mal-là. Le plus grand mal, c'est Roger Baka. Il y a eu un jugement ici avec les sœur Eliane. Et Katana Kakaboué. On a pu continuer le jugement. On ne sait pas. La sœur est abandonnée dans son triste sort. Personne ne mène les enquêtes là-bas pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Même son avocat l'a abandonné. Personne. Le plus mauvais, c'est Baka qui n'est même pas encore parti en prison. Trois. On a publié des vidéos ici des gens. Ces gens-là qui cherchent le mal, ils ne voient pas ça. Tu sais pourquoi ils font tout ça? Regarde. On dit, dans le livre de Jean, chapitre 9, posons les fondements, rapidement pour ne pas perdre le temps. Sur quoi quelques-uns de pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles?
Voici le problème qu'il y a maintenant dans le monde. Alain Dele, merci pour la question. Certains disent, mais si Roger Baka n'est pas de Dieu, comment il prêche avec des arguments bibliques que vous, vous ne donnez pas? S'il n'est pas de Dieu, comment peut-il dire des prophéties? Ça s'exécute à la lettre telle qu'il avait dit. D'autres disent, non, il n'est pas de Dieu, c'est un sataniste. Face à tout cela, ils ont une mission. Que les enfants de Dieu ouvrent les yeux et les oreilles qu'ils écoutent. Il y avait quoi? Division. C'est ce qu'ils cherchent. Il faut diviser les gens qui le suivent. Que les gens commencent à dire non. Ah, même lui qui nous prêche la parole, c'est un aventurier. Quand quelqu'un n'a pas le discernement des esprits pour comprendre quelle est la motivation derrière une vidéo, il va tomber. Mais nous, on n'a pas le temps à perdre. Nous allons les récupérer en faisant une autre émission qui nous permet de montrer la pertinence de la connaissance que Jésus-Christ seul donne. Amen. C'est comme ça que certains qui ont emboîté les pas à ces distractions, en suivant cette émission, ils diront « Ah, donc, ces gens cherchent à tout prix à créer des divisions parmi nous qui avons cru au message. » Mais ce n'est pas de leur faute, il ne faut pas les condamner. Ni même le frère qui fait des émissions, ni même la sœur, moi encore le journaliste que vous suivez en France là-bas. C'est une industrie qui paye de l'argent. Demandez-leur, s'ils sont sincères, je te mandate. Va demander aux journalistes et te diront, on m'a appelé de l'Europe. On a dit qu'on va me soutenir. On va me donner de l'argent. On va m'acheter même une voiture. Il suffit seulement que je continue à parler mal de Roger Baka. Mais face à tout cela, nombre 11, 1, je conclue. Voilà ce que dit la parole de l'Éternel, posons les fonds, avalons les roues. C'est ça le problème. Mais il y a un verset belé boyé. Mais Moutongo, c'est le prototype des chrétiens de demain. Je ne suis qu'une maquette. Il y a encore 7000 que vous ne connaissez pas, qui seront beaucoup plus ouverts que moi, plus intelligents que moi, Bazoya. Mon cher, regarde. Le peuple murmura. Et cela, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'a entendu, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alima parmi eux et dévora l'extrémité du champ. En fait, le diable sait que s'il fait murmurer le peuple pour parler mal contre celui qui porte l'étendard du message de la restauration, Dieu va se fâcher. Quand Dieu va se fâcher, Dieu va frapper. Maintenant, regarde ce qui s'est passé il y a de cela plus de 10 ans ou 15 ans, j'ai oublié. Un jour, je suis à la maison. Témoignage, hein? Voilà ce qui me fait la force de ne plus me fâcher. Parce que ma colère n'accomplira pas la volonté de Dieu. Jacques 1, 20. Je suis à la télévision, une chaîne de la place nommée Mirador. Vous devez avoir entendu parler d'une chose pareille. Ouais, avec leur patron, l'Adilouya. Voilà. Il y avait une sœur là-bas qui faisait l'émission de cuisine avec un frère un peu gros là. Ces frères-là sont passés de 9h à 12h en direct en train de m'insulter. À cause du message que je prêchais, la restauration des valeurs spirituelles dans le film nigérien, j'ai dénoncé le mal et j'ai dit, vous ne pouvez pas citer le nom de quelqu'un dans l'œuvre que nous avons créée. Élevez le nom de Jésus-Christ. Mon frère, de 9h à 11h, Baka, Solo, Moutou et Tengama. Maintenant, le lendemain, les gens attendaient que je réponde. J'ai consulté l'Éternel. Je lui ai dit, tu me dois un jugement. Tu m'as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et moi, je l'ai rappelé. C'est toi, à cause des murmures et des insultes qu'on a prononcées contre Moïse, tu as brûlé la moitié du camp. Jusqu'à ce qu'un jour tu as ouvert le sol, 3000 personnes sont mortes. Je te laisse cette affaire, je ne répondrai pas. Mais je veux que de mes oreilles que je te voie trancher cette affaire. Mon cher, 5 ans plus tard, bref. Monsieur le patron de l'entreprise, il est mort. Je suis passé à la télé, je l'ai redit, ce que je dis ici. Je prends d'ailleurs certaines personnes à témoin, y compris les pasteurs de la foi, que je salue, qui connaissent ces témoignages. J'ai dit, vous verrez, vous allez disparaître comme la fumée de la cigarette. Monsieur est mort dans sa maison, pourri. On est venu trouver le corps après. La chaîne a été non seulement fermée, mais disparue. La fille qu'on avait utilisée comme journaliste, elle était tombée le même jour en sortant dehors. Elle a piqué une crise. Depuis lors, elle est devenue maladive. Aujourd'hui, je te parle, elle a perdu son mariage. Elle a perdu son mari. Elle est décédée
Elle m'a appelé avant de mourir pour demander pardon. Le fer gros, jusqu'au jour d'aujourd'hui dans le monde du journalisme, hein, je ne le retrouve pas. Frère, il y a des gens qui sont morts à mes combattants. Parce que je veux vouloir que je continue à dire les paroles de malédiction pour que les gens meurent. Que l'Éternel le pardonne. Passons à l'essentiel. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que ça, c'était juste une parenthèse que nous avons avec tout à l'heure d'ailleurs. Donc on ne va plus traîner puis là-dessus. On ne reviendra plus là-dessus. On ne reviendra plus. Donc ça, c'est vraiment passé. Alors, homme de Dieu, nous allons reprendre aujourd'hui. Je crois qu'il y a des points très sensibles. Très bien. L'autre fois, nous avons évoqué en ce qui concerne le signe symbole. Effectivement. Et vous avez touché quand même sur cette pyramide où il y a l'œil. Alors, je crois qu'on va continuer à partir de là. Je te remercie, mon frère, en te disant que nous ne vivons pas dans un monde où il y a des signes, mais ce sont les signes qui vivent parmi nous. Nous avons dit dernièrement que tout ce monde qui veut que Joe Biden passe, c'est une oligarchie, c'est un groupe d'hommes qui veulent nous arracher notre liberté. Le 1er mai, date très importante dans les calendriers sataniques, 1776, certains diront c'est la date de l'indépendance des États. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Partez la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'un mètre au moins. Esengi na biso nyonso ko sokola deux fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Et peki sami na mutu nyonso na ko simba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso le sous souhaite ko lata ba gants. Ce que moni ba septembre oyo bazali ko lobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene pene na hôpital po ezali pembeni na biso. Pour éviter ma communion, Sowana, Salela. Tommy Batela, coronavirus est à Koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Nandimi ko Salela Mibeko. Nandimi ko Tosa Mibeko.